Pour une nouvelle vidéo. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, ça sera sur mes produits terminés. Enfin, donc, je vais vous faire partager des produits terminés. Une partie. Voilà, donc on verra après la suite. Je sais pas, mais voilà. Du moment que je vous montre une petite partie déjà, puis le reste, on verra la suivre. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer. Donc, je vais commencer par les lingettes. Alors, ça va aller vite. Je ne vais pas trop m'éterniser non plus sur... Donc, je revenais sur les lingettes. Donc, j'ai terminé les lingettes. Ce ne sont pas des lingettes, il y en a fois 18. Ce sont des gants de toilette jetables. Donc, ils sont super, rien à redire. Vous voyez, hop, deux tuinis. Ensuite... ça, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'était quoi ça? Ah oui, ce sont des... ça n'a rien à y voir. Donc, la petite dernière avait fini ça. Celle-ci. Voilà, au niveau lingette, terminée. Ensuite, je vais attaquer les masques. Alors, petite nouveauté, hein. Les masques comme ça. Alors, j'ai utilisé celui-ci, ce sont les patchs. Alors, les patchs, je peux vous dire qu'ils sont vraiment super. Rien à redire. Voilà. C'est sympatoche. Le patch pour le nez, c'est pareil. J'ai bien aimé aussi. Voilà. Donc, super aussi. Et le masque pour le visage, de même. Voilà. Ensuite, ça, c'est un... ce sont des gants. Ce sont des gants pour les mains. Au concombre, c'est un masque cuticule concombre. J'ai bien approuvé aussi, c'était vraiment chouette, vraiment bien, rien à redire. Voilà, bon, ça que je vous ai présenté, c'était un sachet de bonbons que j'avais acheté ça chez Nose. J'avais acheté ça pour 49 centimes. C'était des petits bonbons à la menthe, je les ai trouvés très bons. Ouais. Ensuite, je vais attaquer des savons. Alors, le savon Mont-Saint-Michel. Il était super. Avec son odeur agréable, d'ailleurs. La marque Labelle. Bon, ça va. Ambré. J'ai bien aimé l'odeur aussi. Voilà. Très bien. Ça peut aller. Voilà, voilà. Donc, ensuite, je vais attaquer les cotons. Les cotons. Oui, enfin, les... j'ai tout pris. Alors ça, ce sont de chez Action. Vous les connaissez. Comme ceci. Des disques démaquillantes. Comme ça. Voilà. Les des make-up. Les petits disques démaquillantes. Voilà. Alors ça me sert pour me démaquiller les yeux. Et surtout pour enlever le vernis. Voilà, comme ça aussi. Bon, celles-ci viennent de chez Nose. Alors, j'avais payé ça 99 centimes. Voilà. Et ça, ce sont des disques ovales, comme ça. Voilà. Bon, j'ai pas à me plaindre des disques démaquillants et des cotons que j'utilise pour me démaquiller. Ensuite, je vais passer au... comment ? Au protège-slip. Donc, c'est les normales, c'est des always, donc je m'en plains pas, je les approuve. Les nanas, c'est pareil, ils sont super, rien à redire aussi, il y en avait 16 normales, les maxi. Et là, toujours dans la gamme nana, ce sont des fraîcheurs protection, il y en a fois 14 et c'est sans parfum. Mais ils sont super, voilà. Je passe à comment, au lac Elsève. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas que, c'est que c'est pour les cheveux secs ou abîmés. Ça nous fait 150 ml.
Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que je les avais payées chez Noz. J'en ai encore une dernière là, justement. Elle est sur ma coiffeuse. Ça vient de chez Noz. Alors, je ne les ai pas payées très cher, hein, 2,99. Mais bon, moi, je les prends aussi à Auchan. Donc, voilà. L'Oréal Paris Elnett. Voilà, satin. Donc, moi, j'aime bien ce lac. Parce qu'il n'a pas un effet collant. Il suffit à un coup de brossage au passage et le lac s'en va sans que, bah, que ça colle. Alors que vous utilisez d'autres lacs, vous vaporisez, ça colle les cheveux et voilà. Donc moi j'approuve 100%. Pour qui que ça intéresse, hein, bah, topé, hein. Parce que même si il y en a encore chez Noz, je ne sais pas. Mais moi pour sûr, je les prends à Auchan. Après Leclerc, je ne sais pas à quel prix qu'ils le font. Je sais qu'à Auchan, ils le font au prix de 4 euros et des boîtes. Mais bon, ça ne me gêne pas autant dire, je préfère prendre à 4 euros et voilà. Puis ça me dure, donc ça va. J'en mets pas une tonne non plus, donc ça sert à rien. Voilà. Et donc ça protège très bien. Voilà. Ensuite, je vais passer au Sanex. Sanex anti-transpirant, je crois, 24 heures. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous fait 150 ml. Ça, je l'avais pris chez Action. Donc, j'ai bien approuvé. Je vais peut-être en reprendre. Voilà, parce que je vais vous parler d'un déodorant tout à l'heure qui est dans mes produits terminés de la marque Fa que j'ai payé chez Action. C'est des nouveautés. Et j'en suis pas trop satisfaite. Donc, c'est un peu dommage. L'odeur, je l'adore. Mais je vous en parlerai. Voilà, donc j'ai approuvé. J'en reprendrai. Donc on dira que c'est un top et un flop. Hein. Voilà, donc ensuite je passe au Dove original. Donc j'en ai acheté un autre, j'en ai pris un chez Lidl. J'ai été faire un petit tour chez Lidl. Il y a des petites nouveautés que je vous ferai partager. Il y a des masques, il y a des gommages, etc. Une gamme de la marque Soraya, je crois. Et un kit pinceau aussi magnétique qui est vraiment très 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 sympa. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors là, j'ai repris celui-ci, 48 heures. J'adore son efficacité. Non seulement son efficacité, mais son odeur. J'adore. Parce que ça. Comment dire ça? Des fois, quand vous rasez les sous-bras, vous mettez un déodorant et ça dépend sur quel déodorant que vous tombez. Puis ça vous fait comme des plaques, des rougeurs. Parce que ça ne calme pas le feu du rasoir. Alors que là, le Dove, il est vraiment super. Voilà. Même au niveau de l'odeur, je m'en plains pas du tout. C'est très agréable et très doux. Voilà. Ensuite, je vais passer à des petites gammes comme ça qui étaient dans des coffrets, je crois, dans des calendriers. Donc là, je passe sur une 50 ml et donc c'est un gel douche. J'ai beaucoup aimé. J'en ai profité quoi sur deux douches. Voilà. Deux douches et c'est vite passé. Mais j'ai bien aimé. L'odeur était très agréable. Après, ça, c'est un gommage. Alors, ce gommage-là était vraiment super, là aussi. Mais sans plus. Voilà. C'était aux agrumes. Voilà. Mais bon, ça m'a duré qu'une journée. Hein. Voilà. Parce que bon, le peu de quantité qu'il y a pour s'en mettre partout. Voilà. Mais j'ai bien approuvé. Surtout l'odeur est très agréable. Agrumes. Ça, c'est la petite dernière qui l'a terminée. C'était une 200 ml. Luna. C'était un gel douche, je crois. Ouais, un gel bain douche. Voilà. Vous pouvez faire bain et douche. Voilà, bien apprécié. Ensuite, je passe à des lingettes Sanitol. Alors, ça, j'avais déjà marqué le prix dessus, 2,94 €. Vous allez me dire oui. Donc ce sont des petits sachets, c'était des petits sachets qui étaient très bien, hein, antibactériens pour des lingettes mains désinfectantes, voilà, très bien. 99%, 9. Mais c'était super. Moi j'aime bien dans son petit sac à main. C'est utile. Ensuite, je passe sur une marque Bifast démaquillant douceur yeux à l'estrée de bleuet. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Une 200 ml. De la marque Bifast, donc j'ai beaucoup aimé là aussi. Ensuite, ça c'est un shampoing réparateur qui vient de la gamme Cian de chez Lidl.
Voilà, une 250 ml. Là aussi, c'était très bien. Voilà, rien à redire sous ce shampoing-là. Super, fait bien son job. Ensuite, ça, ça vient de chez Lidl aussi. Alors, donc, c'est un gel douche verveine citron et citron de la marque Cian. Donc, ça nous faisait 300 ml. Donc, j'ai beaucoup aimé là aussi. Hein. Rien à redire. Ouais, l'odeur très agréable. Voilà, terminé. Ensuite, je vais passer alors dans la gamme Yves Rocher. Ce sont un shampoing démêlant. Alors, shampoing démêlage, douceur et discipline. Tout type de cheveux, estrés de tilleul. J'ai beaucoup aimé. Démêlage 3 en 1. Donc, 300 ml. J'ai beaucoup aimé. Il y en a encore un petit fond, mais bon. Autrement, l'odeur, elle est vraiment très agréable. Mais c'est vrai que c'est pas... L'odeur, elle est vraiment très agréable, mais elle ne mousse pas. C'est un shampoing qui ne mousse pas. Vous avez beau à vous laver 3 fois, même allez-y 4 fois, c'est pas extraordinaire. Mais bon, après, voilà. Mais je reprendrai pas. Perso. Voilà. Ensuite, je passe sur Revel, une marque Revel. Alors, donc, ça, c'était une crème... Une crème, c'est un sérum anti-âge, effet lifting à déposer sur le visage, sur le décolleté et le cou. Voilà, donc j'avais pris ça chez Nose pour 1,99€. Bon, j'ai apprécié. Voilà, rien à redire. Je vais pas trop m'éterniser non plus. Allez, hop. Ça, c'est mon fils qui l'a terminé. Mais à la base, ça l'a... Oui, ça a fait quand même un peu son job, on va dire, entre les deux. Voilà, on va balancer. Voilà. Mais voilà, quoi. C'est pas terrible non plus. Mais ça dépanne. Voilà. Dove. J'ai bien aimé ça aussi. J'ai bien aimé. Vraiment. 48 heures. Vraiment, c'était super. Ensuite, je passe à la marque Cosmia. C'est un gel douche pour les garçons. Hein, des garçons l'ont déjà terminé. Hein. Voilà, donc c'est fini. Voilà, j'ai l'habitude de leur prendre cette marque-là hein, en gel douche. Ensuite, ça, c'est Love You. I Love You. C'est comment on appelle ça? C'est un gommage, une lotion corporelle pour 50 ml. J'ai bien apprécié, mais bon, sans plus, quoi. Ça sent un peu les agrumes. Ça sent bon, l'odeur, ça va. Moi, j'ai bien aimé quand même. Voilà, mais sans plus. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais passer à Nivea. Ça, j'ai beaucoup aimé par contre. Voilà, pour peau sèche et sensible. Donc, c'est un... Comment? C'est un nettoie en douceur et apaise. Crème nettoyante douceur. Alors, il y a des petites billes dedans, aussi en même temps. Des toutes petites billes bleues. Rose, je veux dire, pas bleu, rose. Voilà. Et donc, j'ai bien aimé. Bien, bien, bien aimé. Ça faisait comme un gommage en même temps. Voilà. Donc, ça mousse pas, hein. C'est un démaquillant. Voilà. Vous en mettez dans votre main, vous frottez avec les deux, vous l'étalez. Et ça enlève tout le maquillage. Mais en même temps, ça fait comme un petit gommage parce qu'il y a des petites perles roses dedans. Des petites billes. Donc, vous connaissez les petites gammes comme ça, qui ont sorti avec la mousse pour les lèvres. Le gel douche. Il y a aussi la crème pour les mains. Justement, je l'ai. Voilà, comme ça. Ben là, j'ai terminé le gel douche. Mais je peux vous dire que j'en suis pas tellement ravie. À la base, c'était sur une 200 ml. C'est un sorbet de douche. À mon avis, si on dit sorbet, c'est que c'est comme une crème sous la douche. Voilà. C'est pas un gel douche parce que ça ne mousse pas. À la base, juste à étaler sur vous comme ça, comme une crème, et à rincer. Je pense que c'est plutôt comme ça. Plaisir de douche fruité, au parfum fruité et frais de banane.
Donc c'est vrai que son odeur est très agréable, mais voilà, c'est pour ça qu'on peut-être qu'ils disent que c'est un sorbet de douche. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont déjà utilisé, bah, faites-moi savoir parce que moi pour tout vous dire, je l'ai testé, hein, vous le voyez très bien d'ailleurs, et je peux vous dire qu'il ne mousse pas. Donc je pense que faut prendre un gel douche au début, voilà, vous lavez avec un gel douche et ensuite ben, vous terminez avec ce sorbet, qu'on peut dire une crème une crème pour le corps sous la douche. Mais ouais, j'ai bien aimé quand même le mettre après comme ça, là, après m'avoir lavé. Donc voilà. Ensuite, je passe toujours au Cospia, hein, voilà. Donc avec cette fois-ci, c'est le bouchon. Le bouchon est vert. Voilà, c'est un des garçons qui l'ont terminé aussi. Hein, ben ils aiment bien. Ça, c'est mon mari qui l'a fini. C'est Rexonamen. Voilà, 48 heures. Là aussi, hein, c'est bien. Rien à redire, hein, aussi. Voilà. Ensuite, je vais passer à mon savon lavande. J'adore. C'est crémeux, ça mousse, et sa mousse est onctueuse, toute crémeuse. Et vraiment, sous la douche, c'est un vrai petit bonheur, quoi. Après ça, c'est les garçons qui l'ont terminé. C'est un shampoing anti-pelliculaire, voilà, de la marque Cosmia. Ils l'ont terminé. Et donc, ça nous faisait ça. Je passe à une crème pour les mains de la marque Kiko. Donc, ben, j'ai presque fini, hein, donc, j'allais pas terminer totalement. J'en ai laissé un peu dedans, mais voilà. Donc, très bien, hein. Donc, pas d'allergie sur les mains, rien. À l'application, c'est très 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 bien aussi. Hein. L'odeur, bon, ça va, hein, c'est pas désagréable non plus. Voilà, sympa. Ensuite, Dope, ma petite dernière, c'était à elle. Elle avait pris Dope au douche crème au parfum à la tartelette et aux fraises. Voilà, elle a beaucoup aimé. Et elle voudra s'en racheter d'autres, mais de notre senteur aussi, dans cette gamme de Dope, de crème douche. 250 ml, elle a bien prouvé. La Cosmia, ben, les garçons l'ont terminée aussi. C'est une 250 ml. Donc, c'était un lait douche miel sous la douche. Voilà. Je pense que c'est mon fils le plus jeune qui a dû le terminer, celui-ci. Voilà. Donc, ensuite, je passe à un petit gel douche. J'avais un petit lot, comment, une gamme avec les gels douche et les laits de toilette pour le corps. Alors ça, c'était au comment? Au clémentine épicée. Voilà, j'ai bien aimé son odeur. Voilà, épicée. On sent bien l'orange, mais on sent l'épice aussi. Et ça, vraiment, ça se marie très bien. Vraiment, rien à redire. Voilà, j'ai bien aimé. C'était un gel nettoyant pour les mains qui enlève les bactéries, bien sûr. J'avais marqué son prix, 1,49 €. Donc j'ai bien approuvé. Hein. Voilà, toute la petite famille a bien approuvé. Donc rien à redire. Ensuite, ça, c'est mon grand qui l'a fini. Voilà. C'est un comment un gel nettoyant pour le visage. Skin essentiel. Alvira. Donc il a bien aimé. Hein. Une 150 ml. Donc il a bien aimé, ça va. Donc ensuite je vais passer à un contour des yeux d'Elisa Jones. Donc vous le connaissez, hein, c'est 15 ml. Donc très bien ça aussi, hein, anti-cerne, anti-poche surtout. Voilà, donc très bien. Et ensuite je passe, alors ça c'est un shampoing Yves Rocher. Que vous dire de plus, hein, il fait 30 lavages. Au total, 30 shampoings. Vous pouvez faire 30 shampoings avec. Et vraiment, c'était super. L'odeur, j'aime bien. J'ai bien aimé. Ouais, son côté fraîcheur, comme ça, frais. Ça sent vraiment bon. Ouais. Peut-être que je m'en recommanderai d'autres. Ouais, comme ça. Ensuite, je passe à un gommage. Alors, vous le connaissez, ça vient de chez Action. Donc voilà, c'est un gommage au café. Alors vraiment, avec ces petites billes là, vraiment, il gomme très bien. Il fait un bon gommage. Alors je peux vous dire que sous la douche ou que ce soit dans la baignoire, ben c'est voilà, ça sent tout le café. Et voilà,
Ah, les grains font très bien leur job. Vraiment, moi j'ai bien aimé. Après, pour ceux qui n'aiment pas, voilà, c'est chacun leur choix. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et pour terminer, je vais terminer, voilà, avec ce déodorant que j'avais acheté chez Action. Voilà, ce sont les, comment, éditions limitées en plus. Donc, c'est un déodorant 48 heures de protection. Mais perso, ça donnait pas 48 heures de protection. Voilà. Donc, ils disent 48 heures pour ce fard-là. Mais c'est un peu dommage parce que le packaging, vraiment, il est super. Pour 150 ml. Et donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur, elle est sympatoche. Voilà. C'est un petit peu, comment dire ça, un peu festival, comme ils disent, festival. Un peu l'odeur, un peu envoûtante. Mais ça reste là, quoi. Et voilà, pour ce côté-là. Mais après, protection, pour moi, c'est pas une protection totale. Voilà. Donc après, chacun sait. Après, je sais pas si vous l'avez déjà testé ou pas. Mais pour sûr, moi, je l'ai testé. Et je peux vous dire que c'est pas une protection comme ça. Donc pour ma part, je reprendrai pas. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo en ma compagnie sur mes produits terminés vous auront beaucoup plu. C'est des produits qui vous ont peut-être convaincu ou qui vous ont peut-être, je sais pas, peut-être plus, mais que vous avez peut-être acheté, j'en sais rien. Bref, sur ce. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense aller chez Noz. Ouais, je pense aller chez Noz et Action. Ouais, je verrai bien si je trouve ces fameuses palettes. Et puis je vais y aller pour autre chose aussi parce que c'est pour mon fils aussi, mon plus grand. Parce que demain, nous avons rendez-vous au campus des métiers. Et donc, voilà quoi. Ben, il a hâte d'y aller, quoi, et de reprendre, voilà, de faire son apprentissage, parce que lui, il a, voilà, il est le seul à ne pas commencer encore, hein, parce que, voilà, quoi, il est encore à la maison, mais il en a un peu marre. Voilà, donc sur ce, likez, partagez, commentez si le cœur vous en dit, et puis abonnez-vous, hein, voilà, hein, si mes contenus vous intéressent, et ben faites comme vous voulez. Voilà. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un haul Lidl aussi. Voilà. J'ai fait des petites merveilles. On verra bien. Je testerai là aussi. On verra bien. Ce qui me plaît, par contre, c'est les pinceaux que j'ai achetés chez Lidl. Magnétiques. Sont vraiment très, très, très bien. Vraiment super. Ah ouais, j'ai pas à me plaindre. Ils sont vraiment super. Vraiment, j'ai fait une petite affaire. Vraiment, en plus, le prix n'est pas très excessif. Hein. Donc, ça va. Voilà. Donc, ben, écoutez, commentez, likez. Moi, je vous fais, je vous envoie ce cœur qui défile vers vous. Voilà, droite, à gauche et devant vous. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Chopez-les. Voilà. Et donc, on se retrouve très bientôt. Et profitez du beau temps, tant qu'il peut y en avoir. Parce qu'après, après, après, ben, ça va se gâter, hein. On sera plus touché, on sera plus en été, hein. Donc autant en profiter maintenant. Voilà, sur ce, je vous fais des gros 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 bisous et à très bientôt.